Hey yo tout le monde, ici Yardoum, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour suivre le petit deep motivating qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Donc le petit deep motivating entre temps est bien sûr passé de diamant 5 à diamant 3, hein. C'est très important de monter en classement. Et cette fois-ci donc on est sur un Lee Sin. Alors, tiens, Ilum, c'est quelqu'un que je connais ça, on va baisser un peu le son du jeu. Tac. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, bien sûr. Du coup on part sur un machette, on va essayer de faire une invade. Stop. Faut qu'on voit la bonne vision ici. Pour cette invade là en fait vous avez deux choix. Le choix le plus rapide qui vous fait passer comme ça direct ici hein. Mais il y a des chances que si l'ennemi est assez rapide il vous voit en avance. Ou vous avez un deuxième choix qui est de faire le tour par ici. Passer dans ce buisson là, vous allez là. Vous mettez là et comme ça quand vous allez dans le bush en fait la distance parcourue est plus courte et ça vous permet de mettre plus facilement un CC. Là les ennemis ont été un peu lents. Du coup effectivement on va essayer de profiter de ça. La cage qui passe, le route, bref. Tout est bien, tout est beau sur cette Lulu. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Et non, plus de flash sur la Lulu, c'est une bonne info. Ça c'est une très grosse info, le flash sur la Lulu. Donc il revient à 5 minutes 50, c'est 5 minutes le flash hein. C'est à connaître. Ah, sauf si après on sait des réduits. Ça vous le savez, vous faites table, vous mettez votre souris dessus. Et là on est du coup à 4 minutes 15. Donc au lieu de 5 minutes 50, on sera à 5 minutes 05. Et voilà pour le gang. Donc on a jusqu'à 5 minutes 05 pour faire un gang botlay. Très grosse info. Ouh. C'est un 1 pour 1 globalement. Ce qui est très embêtant parce que d'un côté c'est une Cassio qui ne va pas profiter very early game du kill. Hein, c'est un peu chiant Cassio, malheureusement t'as besoin de scale, de toute façon t'es pas forte en early. Là où Rammus lui va en profiter énormément pour aller faire des gants. Potentiellement Rammus aurait pu back prendre des bots. Bref, il y avait pas mal de trucs à faire ici. C'est pas grave, faut faire avec. On a toujours un Lee Sin, donc il y a moyen. Hop, la bot lane qui aide, on est bon. J'ai vraiment l'impression d'avoir le son du jeu qui est excessivement fort. Rebaisse son cela. Hop, ok. Donc on gagne du temps à la jungle. On évite de perdre trop de HP. Bref, tout ça c'est pas mal. La question a comme info. Top lane, une Akali. Akali c'est super chiant à gank. Mais avec un Lee Sin, on a moyen de la révéler dans sa zone. Donc c'est plutôt cool tout de même. En plus ça, ça a pas d'escape réel avant niveau 6. Il y a son Z. Mais le Z globalement, vous savez la zone où elle est. Et du coup, il y a moyen de mettre une trombe fracture avec Lee Sin. Une trombe fracture, c'est son E, bien sûr. Pour ceux qui ne savaient pas. Tempest Crimper. Triple. Cripple, voilà, exactement. Et en français, c'est trompe fracture, c'est assez rigolo. Au niveau de la midlane, c'est un Kassa, le problème c'est que... Alors, en théorie, on se dit, oui, Kassa, il faut gank avant le niveau 6, ça... sauf que c'est une Cassio. Cassio, ça a passé sa vie à full push. Donc ça ne peut pas, la Cassio, bien sûr, a oublié un truc important qui s'appelle le warding. Donc, hop, le backup, il y a le red buff. Là, il y a peut-être un truc à faire, justement, le taunt qui est passé. Attention, les dégâts peuvent être bons. Il y a du cutting à faire, il y a du cutting, il a plus de flash, hein. Lui ça avait été annoncé au début. On profite, on focus sur Rammus, double intérêt à focus sur Rammus. Bon d'une, le Kassa était déjà parti. Et deuxième intérêt, c'est tout simplement le double buff qu'il a récupéré. Flashing directement pour aller choper le Kassa en profitant du red buff. C'est propre, c'est très propre. Là on va dire que Deep Motivating il est chaud en fait. Et tout ça se base à la base sur un gang du Rammus qui a été justement bien géré je trouve de la part de la Cassio. Elle avait pas de ward mais elle a bien géré en fait au niveau du... le fait de tourner autour des cribles, faire perdre du temps, ce qui fait qu'elle n'avait plus sa boule. Du coup, elle peut s'échapper, donc c'est plutôt pas mal. Notre cher Deep Motivating était pas loin du tout, hein, il était au niveau du red buff, il a pu finir en backup. Bref, ça se passe plutôt bien. On a donc Lee Sin qui a 1-0-1, ce qui met quand même beaucoup de dégâts. On va aller faire le Gromp plutôt que les Krugs, hein. C'est un camp qui est beaucoup plus intéressant pour Lee Sin. Les Krugs c'est long, enfin là le Gromp c'est un seul mob. Lee Sin a beaucoup de dégâts mono-cible, donc ça reste un truc très intéressant. Le retour du Kassa, donc là, on sait que le Kassa a plus de summoner spell. On sait que le jungler n'en a plus, et la Lulu il lui reste encore quelques minutes quand même. Avant qu'elle récupère de la summoner spell. Du coup il y a potentiellement gank botlane à faire. Si la botlane arrête de push, problème, on a une Morgana qui met sa thermodite régulièrement. Il y a peut-être un Kassa, le Kassa c'est dur parce qu'il est sous sa tour. Invade de jungle, invade de jungle qui t'avoir de l'avantage en 1v1, ça peut se faire aussi. Oh, la tentative de gank là, de dive, elle est sale hein. Là je vous avais dit que sur le Kassa c'était un peu sale. Alors dans l'idée c'est quand même worse, pourquoi? Stop. Parce que d'un côté on a le Rammus qui a un kill, or un Rammus qui a full kill c'est pas énorme, ça aurait été le Kassa, ça aurait été plus embêtant. De l'autre c'est un Lee Sin qui peut bien snowball le early game. Au final ça se goupille bien. Ça se goupille bien, on va pas se le cacher, ça aurait pu être largement pire. Bon ça reset le double buff, faut positiver, faut se dire que ça veut dire que on pourra récupérer le double buff plus tard. Faut essayer de positiver, par contre là la Cassio faut qu'il fasse gaffe. Comme beaucoup de dégâts, hein. ça fait mal Cassio quand même, en vrai. Hop, on peut aller au niveau de la top lane. Les crocs qui ont repop, ouais, on est sur le top side de la jungle. Hop, il y a un truc à faire, elle a plus sa zone. L'info du moment. L'info du moment, elle n'a plus sa zone. Forcément, il y a un gank qui est assez simple à mettre en place. Au pire, elle a un flash, voilà, plus de flash. C'est worse, 5 minutes de flash, 5 minutes de flash. Hop, 10 minutes 45 le flash.
Les bonnes infos à noter, très important. Là, qu'est-ce qu'on a? Hop, stop, prenons les infos. Sur la mid-lane, on a Akasa qui n'a plus de flash, qui est toujours niveau 5 pour l'instant. Donc il y a moyen de se diriger rapidement vers la mid-lane. La Cassio est en train d'arriver. Problème, c'est que la Cassa, forcément, il va pas rester toute sa vie sous la tour adverse. Hein. Normalement, il risque de bouger un petit peu ou de faire un back. Donc la mid-lane, même si on se dit que ça pourrait être un gank sympa, dans la réalité, à moins que le Cassa soit bête, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un Carapator à prendre, au pire. Et on peut se déplacer vers le bot side, puisque c'est très important de ne pas rester trop longtemps sur le top side, au cas où Rammus veut faire le Drake. Même si ça peut... Ou un gank au niveau de la bot lane, notamment, parce que sa bot lane ne pourra pas trop l'aider au niveau du Drake. Là, du coup, le GP, il ne craint plus grand-chose de la Kai tout de suite. Oh, quoique... Attendez, hop, on en est où des levels. Bientôt niveau 6, bientôt niveau 6, GP peut se faire éclater très bientôt. On va pas se le cacher, à ce moment de la partie, là, GP il peut se faire éclater. Hein. La Kali, elle attend dans le bush, elle attend que deux creeps meurent, elle passe niveau 6 et elle l'éclate. Mais bref, ça après c'est une question de gestion du match-up, bien sûr. Quitte à aller par là, on va aller récupérer les corbins, on essaie de maximiser l'XP jungle. Ça manque d'infos en fait, si, il n'y a pas de warding. Le warding est inexistant, là il y a une ward qui a été mise par Deep. Il y a une ward là de la bot lane et... On sait pas ce qui se passe dans le game. Voilà, c'est un petit peu gênant quand on a Rammus, qu'on a une lane assez facilement rankable. Ce sont des lanes qui n'ont pas d'escape. Du coup, Rammus est plutôt fort face à cette lane là. Il peut venir et juste placer son taunt sans trop de soucis. La TP top a été utilisée par la Kali, on a l'information. Donc, il y a un moyen de faire un gank top après. Après, c'est dur à gank, il y a la Kali, mais l'escape elle vient vers toi. Donc, c'est pour ça que la Kali, en fait, faut pas arriver par derrière quand tu vas faire un gank. Sinon, elle va te dash dessus, elle est trop contente. À moins de réussir à faire un super kick de Lee Sin, ce qui est tout à fait possible aussi, bien sûr. Tentative de counter jungling au niveau du red buff adverse, ouais, soit, mais on manque un petit peu d'infos. Là, il y a un truc à faire sur Cassa, pourquoi? Parce que Cassio, elle a ça, les miasmes, le poison débilitant. Et du coup, ça empêche complètement le Cassa de dash. On a moyen de mettre une ward ici, la Cassio met le Z, là c'est simple hein, dans l'idée. Cassio met le Z, ward ici, Q spell, il est mort. Attention. Très bien. Je suis un peu perplexe parce que la Cassio avait même pas besoin de faire R, elle a perdu beaucoup de temps. Mais bon, c'est un peu dommage, la Cassio va mourir normalement en 1v1. Et ben oui. Et c'est pas du tout de la faute de Deep ici, hein. Là c'est la Cassio qui a fait n'importe. Là concrètement pour moi, vu où il était placé, c'était exactement ce qu'il attendait. Hein. Pas de soucis. Au niveau des combos avec Lee Sin, alors vous avez le RAA qui est facile à placer, mais ce n'est pas le plus optimisé en termes de dégâts. Le mieux si vous arrivez à faire. Le A, une auto-attaque, un E, deux E, une autre auto-attaque, un R, le A encore, bref. C'est plus intéressant parce que le R, on rappelle qu'il est une exactement l'adversaire de HP, puis vous mettez de dégâts. Le kill qui a été pris au niveau de la top lane par le bon Illum, un génie. L'arrivée évidemment de Deep Motivating qui a vu qu'il y avait un trade hein, qui était à être mid. Quand vous voyez qu'il y a un trade, généralement vous avez le temps d'arriver. On n'a pas de flash sur le Kog'Maw, donc là il n'a pas le droit de se rater, hein, sauf cas exceptionnel de noobisme extrême, il devrait réussir, voilà. Le RAA est plus simple à placer, pourquoi? Parce que votre R c'est un CC. Du coup l'adversaire ne pourra pas éviter votre A. Donc tout dépend après comment vous faites, mais si vous voulez maximiser les dégâts, c'est le A d'abord avec le R, mais il faut déjà être au cag. Donc sur les ganks, c'est un truc que vous voyez moins souvent. Généralement sur les ganks, si on arrive, on fait un petit war tree, quoi, on arrive derrière le mec, on fait un R, ensuite on met le A. Bref, c'est le plus simple, donc 3-1-1 pour un Lee Sin qui est pas mal. Pour le coup, il y a toujours cette top lane qui est gankable, bien sûr avec la trompe, parce que le GP il va prendre cher. Le GP va forcément prendre cher, c'est le match-up qui veut ça, il peut pas faire grand-chose, il a pas d'escape. Sa guérison de Scorbut ne lui sert pas à grand-chose, et Inakali, je rappelle, ça n'a pas d'escape. Ça n'a pas d'escape, il n'y a plus de flash. Du coup, top lane, il y a des trucs à faire, hein, clairement. Il y a des trucs à faire, et mettre un GP bien dans une game, ce n'est jamais mauvais avec ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs, il se dirige vers la top lane, donc pour l'instant on est bon. Hein. Là, au niveau du passing, etc., Deep Motivating, il n'y a pas eu d'erreur de sa part, il y a eu au pire la Cassio qui a fait du caca, mais c'est à peu près tout. Voilà, le gank top lane qui est bon. Sur la mid lane, c'est à la base un peu plus compliqué si le warding du Cassa est bon, mais on a la Cassio qui a ses miasmes. Et ça, c'est extrêmement important. Les miasmes, je rappelle, qui empêchent tout dash dans la zone. Par contre, quitte à ce que la Akali n'ait ni TP ni flash, il y avait peut-être moyen de tabasser la tour ici. Le problème, c'est que ça aurait concédé le Drake. C'est avantage inconvénient, hein, pour le coup. On veut pas concéder le dragon infernal, ce qui peut se comprendre. Et en même temps, GP, c'est un pic qui, en restant sur la lane, va pouvoir farm encore, donc... Why not? Pas d'infos au niveau du Drake. Est-ce que vraiment on peut le contester? Normalement, on a quand même une Morgana, on a un Jhin. Il y a des trucs à faire. C'est un Lee Sin et Lee Sin, ça peut voler les Drake. Par contre, on manque complètement d'informations. Pas trop de warding ici. Ils sont pas en train de le faire. Ils sont retournés bot. Ça va. Je dirais que c'est presque un coup de chance que les adversaires en fait soient retournés bot. Puisque là, pour le coup, il y avait un timing hein, pour faire le Drake. Rammus, c'est ok en termes de dégâts. On a surtout le Kog'Maw couplé à la Lulu. Et la duo lane red qui était là. Du coup là les adversaires auraient pu être 4 ici. Lee Sin avait mis un petit peu de temps en allant prendre les creeps.
Sans information, je pense que le dragon était prenable par l'équipe Blue Side. Ils ne l'ont pas fait. Un petit coup de chance, on va dire, pour le coup. Et là, il y a un grand Kaferbot. Ok, on a l'information. Il y a Lee Sin aussi. Donc, c'est même pas juste un grand Kaferbot. Il faut venir. Il n'y a pas de choix. Il faut absolument venir sauver les miches des gens. Mais ça paraît un peu compliqué. Le kick, voilà, sur le Rammus pour le ramener sur la tour. No choice. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire ici, malheureusement. Rammus, ça dive très bien. Donc là, il n'y avait pas mieux à faire du tout pour Yussin, hein, à part arriver 10 secondes avant, c'était un peu compromis. Mais les adversaires avaient déjà fait une erreur en ne faisant pas le drive, bon, c'est plutôt ok. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est Rammus qui prend le raid. Bon, soit, ça lui permettra de mettre plus de dégâts, il a peu de chance de louper, mais bon, il résiste déjà beaucoup dans les 1v1. Il y a moyen d'insister sur la top lane, notamment le flash de Akali, et je suis pas sûr qu'ils soient encore revenus. Je sais pas à quel moment t'es venu, hein. Je rappelle que quand je mets les pauses, en fait, ça pourrit les CD, le timing est pas vraiment bon. Ici, la défense à faire au niveau de la bot lane. Ouah, il y a le GP. Ouais, excusez-moi, j'allais dire. Hop, très bien, l'ulti GP, le décalage. Si c'est un peu light, à mon avis, ils l'auront pas. Ah, bah si. Non, Kog'Maw est crétin. Kog'Maw, il est crétin, il reste. J'allais dire, elle peut pas l'avoir, mais à partir du moment où Kog'Maw est. Ça va. Ça va, bon backup. Il y a la Cassio, il y a le Jhin, il y a toute la bot lane. Cassio, c'est extrêmement fort pour les objectifs 1v1. Lee Sin, pareil. Dur de voler un Drake, un Lee Sin, donc on est tranquille, on a l'Infernal que les adversaires n'ont pas fait tout à l'heure, grossière erreur des adversaires, mais à mon avis cette top lane, il y a moyen vraiment d'insister dessus. Il y a vraiment une insistance à faire, pourquoi? Parce que c'est toujours cette idée, hein. Akali ça a pas d'escape, et le GP si on peut le mettre bien en fait, ça reste toujours extrêmement intéressant. C'est une grande force de push GP aussi avec son passif, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne sur les tourelles. Le back qui a été fait, on a récupéré du coup le Warrior, les Mercuries, Mercuries évidemment beaucoup de CC et de dégâts magiques en face, hein. C'est full dégâts magiques globalement en face. Du coup, on aura aussi un ex-drinker en termes de stuff. On est plutôt bon pour le motivateur. Pas de TP du côté de la Kalita, qu'on a l'information, ça vient d'être pris. Du coup, il y a du gank à faire au niveau de la top lane. Le Rammus qui va mourir, voilà. Petit war trick, bon. Le kick est pas forcément nécessaire, mais ça assure le kill en fait. Ça évite de se dire est-ce que Rammus va dodge l'onde sonore, le corazon avec la boule. Donc, c'est plutôt pas mal. Et top, top, il y a du truc à faire. Il y a la pink ward ici, il y a moyen. Il y a large moyen ici de faire du kill. Ah oui, c'est une Akali, il y a moyen de faire du kill, hein. On s'en fout de la trompe fracture et tout. Ah, elle n'est pas révélée. J'étais persuadé que la trompe fracture révélée, mais pas du tout. Je m'avais trompé, elle a récupéré encore un dash, voilà. C'est le problème d'une Akali. Et là, elle n'en a plus en théorie. On va avoir le CD. Dommage, il faut push. Il faut hard push, lane management. Lane management. Parce que même les junglers doivent comprendre la lane. Concrètement, ici, on a deux sbires caster, un sbire canon, ça va forcément push, et t'as pas envie que ton GP se retrouve ici. Et lui non plus, il en a pas envie, donc l'idée c'est de hard push pour que la lane reset. C'est extrêmement important, ça fait aussi partie du taf de jungler, de gérer les lanes, hein, de ses mates quand ils viennent de mourir, qu'il y a eu un gang, des choses comme ça. Coup de chance, gros coup de chance, la Kali elle a décidé de hard push, donc ça va pour le GP en fait. La Kali, si elle avait back, elle aurait été sous sa tour, elle aurait été ultra safe. Elle a décidé de hard push, ça fait les affaires du GP, hein, là, ce que la Kali vient de faire, clairement. Clairement, elle aurait pu faire bien plus la Kali juste en faisant un back. Incroyable, on a de la chance, c'est bien, il faut profiter de la chance dans ces conditions-là. Mais on peut pas se baser sur la chance et sur le fait que les adversaires vont faire une erreur pour ça. Le red buff a récupéré au niveau de la bot lane et le swap lane adverse, bien sûr, qui a été fait puisque la tourelle bot est tombée. Avantage, c'est que GP, ça tient bien une tourelle et je pense que GP est mieux limite en 1v2 face à eux. En 1v1 face à Akali, puisque Akali peut l'éclater, eux deux ils vont juste full push à tour et lui il va wave clear avec ses tonneaux. Ce qui est ok, d'autant que c'est une duo lane qui est gankable, hein, on a l'ulti de GP, on a un peu tout ce qu'il faut avec un Lee Sin. Il y a des trucs à faire normalement, c'est pas trop mal en fait. Là concrètement, le setup est plutôt bon. Il y a Rammus qui a fait l'invade ici, ce qui est un petit peu gênant, parce que Rammus a mis beaucoup de dégâts, c'est très costaud. Enfin, parce qu'on a lui, on a le Kassa qui peut follow up, évidemment. Ah, c'est une défense du follow-up de Kassa. Quand vous avez un Kassa dans la team en tant que jungler, ouais, y a des chances qu'il y ait du follow-up. Là, clairement, ça manque de vision. Il y a une ward là, celle de tout à l'heure sur le gank, ok. La ward là qui vient d'utiliser pour s'échapper. Voilà, ça c'est le bruit de la vision. Bref, on a rien. On a strictement rien, on sait juste qu'il y a un Rammus qui est bien dans sa game. Donc il peut venir mettre la pression. Et qu'on a un Kassa, et Kassa c'est extrêmement fort en termes de roaming et en termes de backup jungle. Donc là, il y a un sacré problème en fait de vision globale dans la game. C'est global la vision, hein. C'est-à-dire que tout le monde est censé placer des wards. On a deux pink ici, une pink là, c'est bien. C'est bien, elles sont dans le stuff. C'est assez intéressant. Du coup, on a notre deep motivating qui est mouru en allant grid, hein, au niveau des,
Juste ici, alors pourquoi est-ce que ce grid était mauvais? Deux raisons évidemment, on sait que l'Oramus était là et que l'Oramus était en train de le détruire. Deuxième raison, c'est que le Kassa était SS et qu'on sait que Kassa avec son Riftwalk, ça vient facilement en backup et ça n'a pas loupé, bien sûr. C'est toujours dans cette idée, bah, est-ce que l'adversaire finalement, s'il vient me faire chier dans la jungle, est-ce qu'il a des alliés qui peuvent venir? Au top, il y en a deux, donc déjà bon, ça peut décaler plus facilement que 1 en général. Et il y a la mid lane qui décale facilement. Et bot lane, d'accord, elle vient de faire un 1v2. Bon, c'est une Akali, c'est un match un peu compliqué, on va pas se le cacher. Très bien, tout se passe mal. C'est un peu terrible en fait. C'est un bon score et c'est plein de petites erreurs qui sont faites ici. Parce que là, ce qu'il y avait à faire, c'était pas de la jungle, c'était potentiellement un gank top. Hein, comme je vous disais, ça se tue facilement ces deux-là avec le combo GP Lee Sin. Qui est assez intéressant pour profiter de ça. Pour essayer de faire ma jungle. L'Akali, on aurait pu insister un peu plus dessus tout à l'heure parce qu'elle avait plus d'escape, plus de flash. Ce qui reste un peu mieux. Là où sur la mid lane, c'est toujours compliqué, hein, malgré les miasmes de la Cassio. Bon, il y a ça, comme je disais, s'il a un bon warding, il peut s'échapper avant. La top lane, c'est une lane très longue, donc même si elle a un warding, il est là, qu'elle se retrouve ici en train de fight le GP, il y a moyen de la gank. Il y a moyen de la gank, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. La bot lane était un peu plus gankable aussi. La mid lane, c'est difficile, il y a eu quelques kills. Après, Cassio, c'est un pick qui scale bien. C'est un pick qui va pas énormément profiter de beaucoup de kills en early parce que c'est du stuff. Juste même si elle a son stuff plus tôt, en fait, ça prend du temps à scale le stuff de la Cassio. C'est juste ça, c'est que voilà, tant qu'elle a pas ça de stack, elle l'a pas transformé, c'est un stuff qui sert à rien, qui est complètement vide de dégâts, vide de carry un petit peu. Et de base, ça push extrêmement bien, donc on a forcément besoin de beaucoup plus. C'est un Lee Sin, hein, du coup, il est parti évidemment sur l'item jungle vert, qui permet de bénéficier de ward. Ok, c'est bien, il faut se retourner là, hein, de la part de la Cassio. La surprise d'Ikatia, pouf! Explosion de dégâts bruts. On va décaler au niveau de la mid lane, donc pour taper la tourelle, hein, quitte à se regrouper. Il va falloir réussir à mettre la pression. Là, je dirais, c'est sur les deux tours. On a quoi comme Drake? Hop, Cloud Drake. Il y a les deux tours, il y a le héros de la faille, parce que là, les tourelles, les side lanes vont prendre ultra cher. Il y a moyen de taper de la tourelle, il faut limite ignorer. Oh, la tentative de move. Oh, il va loin là. Waouh. C'est poussé ça comme move. C'est très, très, très poussé pour au final Kikaramus, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. C'est ultra poussé alors qu'il y avait une tour à taper, quoi. Ça se goupille bien. Ça se goupille bien. Il y a la tour à tabasser toujours, bien sûr. Il faudra absolument prendre le héros de la faille après, parce que la Kali va se faire plaisir au niveau des tourelles. Allez, 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 allez. Ah, c'est un sacré problème. Hein. Plus. On récupère un nouveau kill, c'est bien. Le problème, c'est que là, la Kali est vide la base. Faut laisser juste back la Cassio normalement et on peut en envoyer 3 ici. Pourquoi? Parce que le Kog'Maw devrait pas à lui seul pouvoir cancel le héros la faille et la Cassio elle-même doit pouvoir se débrouiller, je pense, en termes de 1v1 vu qu'elle a le masque abyssal pour aller défendre ici l'inhibiteur. C'est le GP qui est encore envoyé là, ok. Surprenant. Assez surprenant, il y avait quand même moyen de faire un petit peu plus en termes d'objectif. Ça met beaucoup de dégâts à Akali. Ah bah ça fait peur à Akali. Hein. Ça fait très peur à la Kali, elle va juste leur faire perdre du temps, elle est censée mourir au bout d'un moment, mais elle va faire perdre énormément de temps. Le truc c'est que là, le temps perdu, eux, ils vont en profiter pour push ici. Forcément, coucou Ramus. Là, c'est en termes de macro game où ça s'est pas bien goupillé du tout. Il y a eu un gros problème décisionnel. Le problème décisionnel, c'était que Cassio, elle seule, devait back. Elle pouvait faire la défense en normalement Cassio en termes de full 1v1 avec une Akali. En fait, Cassio, c'est extrêmement fort 1v1. La Kali, elle lui court dessus, Cassio a fait ta 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 ta. Je te fous des crocs dans la gueule. Et globalement, vu que la Kali c'est majoritairement des dégâts magiques, même si elle a une part de dégâts physiques, la Cassio aurait été excessivement bien. Elle aurait même pu en fait faire du très gros cutting dans ses miasmes, vu que ça fait une ligne, elle aurait pu faire du cutting dedans tout simplement la Cassio et empêcher la Kali de lui dash dessus comme ça. Bref, Cassio aurait été le meilleur choix ici pour back et défendre seul, là où les autres auraient pu aller se concentrer, aller faire un petit coup de héros de la faille avant de back, ce qui aurait permis en fait de compenser à point au niveau des objectifs neutres, parce que là il y a un gros retard. On est à 5 tours à 2 quand même, hein. 5 tours à 2 c'est énorme, et ce qui fait un écart de gold, bien sûr, en termes de gold. Tac. Le GP a des golds, c'est correct. Au niveau de la mid lane, on en a, c'est bien, mais le Lee Sin a beaucoup de gold. Or, le Lee Sin, on sait que ça a du mal après à faire perf les gold. Ça aurait été plus intéressant plus tard sur un Jhin. Et là, c'est pas de la faute de Deep Motivating qui a pris ce qu'il pouvait. C'est après, vraiment, c'est pour ça qu'il faut en termes de décision macro game réussir à prendre des objectifs. Et les objectifs, c'est ça qui va donner des golds à la team et c'est ça qui va permettre justement de maintenir tout le monde à flot en fait. Parce que même quelqu'un qui a raté sa lane, qui est pas bien en farm, il peut avoir des golds et ça, c'est la belle vie. On l'aura mus ici qui ne devrait pas réussir le taunt, bien sûr. On a la déguérison de Scorbut. C'est un mus joli cage de la part de Ilum ici qui a été placé. On prend le kill, c'est bien. Les adversaires ont fait une terrible erreur, mais ils ont pris la tour mid. Ce qui est très gênant. C'est excessivement gênant la prise de Tomine. Mais bon, pas le choix de toute façon. Il va falloir maintenant avoir du warding au niveau du Baron Nashor. Parce que les adversaires, c'est la solo queue. Hein. Il y a un Kog'Maw, donc c'est un truc qui peut se faire. On récupère le deuxième dragon.
Ok, niveau stuff, par contre, là, ça va commencer à poser problème. Puisqu'il y a déjà beaucoup de dégâts dans la team. En termes de stuff, Black Cleaver, ok. On aurait pu prendre potentiellement ici un home adaptatif qui aurait été super intéressant en fait, qui aurait aussi apporté de la CDR, évidemment un petit peu moins de dégâts. Mais les dégâts vont commencer à être apportés maintenant par la Cassio, par le GP et par le Jhin majoritairement. Le truc c'est qu'ils vont avoir besoin de quelqu'un un petit peu qui puisse se prendre des baffes. Là, le fait de prendre un stuff agressif, c'est pas forcément ultra mauvais, mais ça demande de jouer tellement bien et d'avoir des mecs qui jouent tellement bien que c'est un gros risque en solo queue. Là où tout ce qui est home adaptatif, typiquement un Randuin aurait pu être super aussi. Le Randuin pour rentrer à des attaques du Kog'Maw, avoir un petit peu d'armure en plus, ou une Tormail, limite un Tormail ça aurait été aussi un très bon choix pour le coup. Donc là on arrive par derrière, ok, le problème c'est que ça arrive un peu tard, et là du coup il se retrouve enfermé. On va essayer de revoir un petit peu ce move parce que là ça va être assez intéressant. Pour l'instant en termes de vision on a toujours un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de vision, nulle part. Donc là on sait pas ce qui se passe, là on sait pas. On a la vision au niveau du Baron Nashor, c'est bien, mais... Là globalement les adversaires peuvent faire youhou, coucou, on peut aller dans la jungle. Ok, on a le GP pour Wefrir, normalement il y a un back de la Cassiopeia. Cassiopeia c'est une très très grosse force de Wefrir, une très grosse force de teamfight, faut faire attention à ça. Et là du coup, hop, 3 ennemis. On a vu 3 ennemis, l'engage à part du Jhin. Le problème c'est que le Jhin n'est pas safe, il est un peu loin de sa tourelle. C'est une cible immobile. C'est-à-dire que c'est un mec qui est censé avoir une range de sniper et qui se retrouve à portée d'auto-attaque. Là déjà tu sais qu'il y a un problème. Il n'y avait pas de vision ici, double erreur. Et du coup l'arrivée par derrière se fait un petit peu trop tard. Et là c'est juste un problème de vision. S'il avait eu la vision de Jhin, il se serait pas placé là. Bon déjà il est complètement crétin de faire son ulti à portée d'auto-attaque, hein, qu'on soit d'accord. Il y a un moment où tu te dis, bon un Kog'Maw qui m'auto-attaque et moi qui ulti, qui gagne? C'est le Kog'Maw, on va pas se le cacher, c'est le Kog'Maw qui auto-attaque. Bon choix là de la part de Deep Motivating qui est de rechoper les creeps et d'essayer de les tuer. Comme ça ils ne peuvent pas aller à la tour et sans creep à la tour, les adversaires ne peuvent pas taper la tourelle. Très bon choix, très très bonne réflexion hein, ici. Histoire de s'adapter un petit peu. Et là ça va être un Baron Nashor à défendre, le problème c'est de défendre un Baron Nashor. Bon, en tant qu'ici il y a moyen de le voler. On va pas se le cacher, il y a plus simple dans la vie. La pression ici qui fait que les adversaires arrêtent, il faut absolument. C'est une des grandes forces de Lee Sin quand même, hein, c'est de pouvoir gérer ça. Le Kassa ici continue de mettre la pression en roaming. C'est le problème c'est que le Kassa a une TP, qui est pas encore up mais bientôt. Il a un Riftwalk, la Cassio elle a un Ignite. Ne nous le cachons pas, l'Ignite de la Cassio n'est pas super utile dans cette game en soi. Mais ouais, du coup, pour le Lee Sin, là, ici, home adaptatif qui va réduire les dégâts de Kog'Maw, les dégâts de tous ses potes dégâts magiques aussi. Une Tormail qui va être super intéressante face au Kog'Maw pour cancel le lifesteal, qui va être intéressante par rapport à la Akali aussi pour cancel son lifesteal, qui va apporter un petit peu d'HP et tout. Ça, c'est dommage, mais ça devrait bien se goupiller au final. Ah bah non. Ça, c'est le moment où c'est de la faute de personne, tu vois. On va revoir le move, et ça, c'est ce que j'appelle le move, la faute de personne, puisque tout le monde a une bonne idée. C'est, oh là là, on va choper Kog'Maw. Super, on chope le Kog'Maw. Ouais, chopons-le tous ensemble, les amis. Le problème, c'est que là, regardez. Et pouf. Le Jhin qui plaçait son lock ici, le Kog'Maw qui se prend le kick. Et là, bon, bah évidemment, c'est Kog'Maw Lulu, c'est très efficace. Ça sonne le kick, parce que là, le Kog'Maw pouvait mourir à la base. Soit fallait que le Jhin attende après le kick, soit fallait attendre avant de faire le kick. Et le problème, c'est que quand tu ne sais pas les gens avec qui tu joues, bah, il arrive ce genre de choses. Et là, c'est le move, c'est de la faute de personne. Tu peux pas blâmer ni l'un ni l'autre, c'est... C'est juste purement du unlucky, on va dire. Mais du coup, au niveau de cette game, pour moi, en fait, principal problème, ça a peut-être été de venir régulièrement au niveau de la mid lane, donc perte de temps, qui a donné un avantage à un personnage qui n'en profite toujours pas. Hein. Elle a toujours pas son... Elle a toujours pas son Seraph Embrace. C'est une Cassio, ça scale, hein, mais ça met du temps à réellement être efficace. En fait, l'efficacité de la Cassio... Elle l'a tout le temps même si elle a quasiment pas de stuff globalement. Elle empêche les adversaires de dash, elle fait une grosse phase de guiding, elle permet de mettre beaucoup de CS en teamfight, elle est très forte en 1v1. Même si elle a moins de kills, qu'elle est moins safe sur sa lane, c'est pas grave, ça va scale, et elle aura toujours cet impact. Là où un GP, si tu donnes une belle avance, il y a moyen comme d'avoir des tonneaux ultra efficaces, un ultimate qui puisse être super gênant, notamment avec la CDR. C'est important que GP ait très tôt de la CDR pour avoir souvent un ultimate et aider les autres lanes. Donc tu donnes l'avantage au début à GP, tac 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 pif, au moins il est tranquille dans son 1v1 parce que c'est un matchup qui est très très difficile. Mais au moins il est tranquille, il peut juste wave clear de façon assez safe. Après, il a besoin de ça. GP il a pas le choix, hein. C'est un match-up où il se fait éclater malheureusement. Ensuite vous pouvez choisir de prendre la tour, c'est toujours intéressant de récupérer les tours. Mais l'avantage c'est qu'une fois que tu as donné un petit avantage à GP, il y a la botlane. Et la botlane il y a moyen de s'en occuper pour éviter justement à ce Kog'Maw Lulu de devenir relou. Parce que Jhin Morgana en fait c'est une combo à catch qui est super intéressante. Le combo Jhin Morgana Lee Sin en termes de catch, ça a du punch quoi, c'est vraiment un truc qui peut être super efficace. En plus ça on avait un dragon infernal en early game, donc ça aurait pu être intéressant d'insister dessus. Et ça aurait évité aux adversaires de faire une tour. Ensuite on swap, une autre tour, etc. Parce que là il y a eu des problèmes en fait en termes de vision dans toute la game. Dans toute la game on a manqué de vision
Avec des adversaires comme Akali qui domine la lane, Kassa qui peut roam facilement, et Rammus lui qui s'en bat les couilles, qui va un petit peu partout. Donc c'est gênant, c'est-à-dire que tout ce top side là n'appartient pas forcément à l'équipe red side, ce qui peut être un peu compliqué. Même si la Cassio ça push pas mal, hein, le Kassa arrive à un moment où juste il se balade et il en a rien à faire. Et forcément, le fait, à mon avis, d'avoir passé du temps mid, c'est bien, ça prend des kills, mais les kills sont pas dans la globalité utiles à la team. C'est que là, on a un Lee Sin qui est feed. Voilà. Vous connaissez bien le Lee Sin feed, c'est bien, mais il y a un moment où, en fait, c'est pas Lee Sin à lui seul qui va gérer les fights. Hein. Malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, et je pense que là, déjà, la game est assez limitée à cause de ça. C'est pas perdu, parce qu'on a justement le scaling Cassio GP qui est super intéressant. Maintenant, est-ce qu'on pourra faire grand-chose avec ça? C'est pas sûr. C'est quand même un petit peu ballsy là de sauter sur le Rammus, mais ça marche. Ok. GP qui fait le backup. Tout. Le GP en défense, si c'est un grave problème. Et le truc, c'est que là, il y a un mauvais choix de summoner spell de la part de la Cassio. Parce que la Cassio ne peut pas se permettre d'être en défense, elle a pas de TP. Donc on est obligé d'envoyer GP. Or, GP il se fait éclater en 1v1. C'est normal, c'est le match-up qui veut ça. Normalement, c'est une Cassio avec TP. Tu mets Cassio avec TP face à Akali et Cassio, elle rigole. Hein. Cassio, elle pisse sur la Akali, tout simplement. Elle la regarde, elle fait une douche dorée. Et puis, la Akali ne pourrait que se repaître finalement de l'urine de la Cassiopeia. C'est toujours un petit peu ce cas là, évidemment il y a l'arrivée d'un Lee Sin à côté, donc le chase qui est bon parce que c'est GP. La Akali n'a d'autre choix que de se retourner, mais elle ne pourra rien faire. Jolie Zonia tout de même. Il n'y a plus le Rammus hein, du coup il n'y a pas de crainte donc, par un lâcheur. La tour qui est censée être défendue par une Cassiopeia. C'est un peu dommage quand même hein. La Cassio ouais, on a connu mieux que la Cassio quand même dans cette game. On va pas se le cacher hein. On a connu mieux que Cassio. Mais c'est bien, on a un Lee Sin qui a des kills. C'est terrible, c'est terriblement frustrant parce qu'en fait, le seul moyen d'utiliser avec efficacité un Lee Sin qui a des kills, c'est de faire des moves de ouf et d'espérer avoir une team qui follow up au bon moment, c'est-à-dire un adversaire qui se place mal, la faire un kick typiquement. Faut ramener le Kog'Maw ici, en espérant que la Lulu soit pas assez réactive pour un polymorphe et un ultimate sur le Kog'Maw qui pourrait cancel le Lee Sin. Là, c'est limite, ouais, il faut le War Trick plus Flash pour être sûr de le ramener là. Instantanément, c'est cage. Regarde la Méduse. Pourquoi? Alors, ou regarde, non, regarde la Méduse tout seul, pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut stun le Kog'Maw pour ne pas qu'il puisse sustain. Parce que sinon, on va être dans la mélasse s'il peut sustain. Et lui faire perdre assez de HP pendant qu'il est stun pour qu'ensuite il y ait le proc de Morello et qu'il n'ait pas le heal. Problème. Rammus est là en backup. Très très bon backup de Rammus. Le Rammus là, il fait un boulot monstrueux en fait en se plaçant ici. Et ouais, le kick en décalage, il n'y a pas d'allié ici qui peut follow up. C'est un gros souci en fait hein. Sur Rammus c'est plutôt ok. L'idée du kick est bonne. Mais en fait l'idée c'est vraiment que ce soit sur la Cassio, parce que c'est la Cassio qui peut réellement être efficace face au Kog'Maw. Le Kassa qui est prêt à partir. Les miasmes c'est pas mal. Est-ce qu'on peut le tuer? Oui, on va le chercher. Et là Akali qui vient qui détruit. On a Jin qui a res. Jin ça met quand même beaucoup de dégâts. Toujours intéressant. Le problème c'est ce Kog'Maw. Ce Kog'Maw c'est un gros souci. Il n'y a pas d'item pour le gêner en fait. Il n'y a pas d'item qui baisse la vitesse d'attaque. Il n'y a pas d'item qui nullifie un peu son lifesteal. Ok. Ah quand même. Ah ouais non, ça n'arrive pas à détruire le Kog'Maw directement. Bon, le Jin aurait pu toucher, ça arrive. Hein. On loupe tous des skill shots dans la vie. Mais ce Kog'Maw c'est un gros souci. Et le problème c'est que la Akali elle peut gérer le speed push. En fait ce qui est dommage c'est que globalement... La Akali peut gérer le speed push parce que GP peut pas vraiment le tenir en 1v1. Mais. Ok. Cassio elle est vraiment puante. Mais c'est. Outre la Cassio qui est puante, on a un problème. C'est-à-dire que GP peut pas gérer la Akali en 1v1. Mais c'est le seul qui a une téléportation. Donc il est obligé d'aller face à la Akali en 1v1. Mais du coup, il a pas un stuff qui lui permette de rester à la Akali. Limite, faut partir beaucoup plus tant qu'il y a avec GP sur rester à Akali. C'est super relou en fait cette game. C'est un gros problème à cause de la Cassio. Le problème c'est qu'on a pris du temps sur cette Cassio au niveau de la mid lane. Or c'est une Cassio qui scale, qui n'a toujours pas son Seraphim Embrace. Du coup, elle a pas rentabilisé les golds qu'on lui a donné. Elle sert à rien la Cassio. Outre le fait qu'elle soit nulle. Attention, on en parle vraiment juste du temps investi par rapport au personnage et à l'intérêt de la game. Il y avait d'autres lanes où il y avait un truc à faire et je pense que le temps passé sur la mid lane là n'est pas intéressant. En outre, toujours ce manque de vision évidemment qui a été récurrent tout au long de la game. Ça a été extrêmement important ce manque de vision. Mais tu rentabilises bien plus tôt, bien plus facilement dans la game un combo Morgana plus Jin, surtout avec un Lee Sin, que ce que tu ne vas rentabiliser la Cassio. En fait c'est toujours l'idée, hein. Là il y a un combo de 3 persos qui est intéressant, il faut le rentabiliser tôt dans la game. Feed la Cassio, bah tu vas pas le rentabiliser avec ton Lee Sin. C'est le souci. C'est une question de voilà qu'est-ce que je peux faire avec les gens qui sont là. Et là globalement pas grand chose, donc normalement la game ça va se dérouler, il y aura peut-être quelques moves, quelques éclats on va dire de Lee Sin, mais la game devra arriver à une défaite sans aucun souci je pense, puisque les adversaires ont la force de split push.
ont Loramus qui à chaque fois joue très bien vis-à-vis du Kog'Maw, et ils ont Kog'Maw Lu en fait. Le Kog'Maw Lu actuellement est inarrêtable en termes de range, il n'y a pas les armes pour un Kog'Maw Lu. La seule chose qui arrête un Kog'Maw Lu dans cette game, c'est s'il y a un kick qui emmène le Kog'Maw directement dans la tronche de la Cassiopeia, et que la Cassiopeia va faire un ulti instant. C'est des conditions de victoire qui sont excessivement faibles. Là où, si on retourne la game dans un autre sens et qu'on se dit qu'on insiste au niveau de la bot lane, on met bien la combinaison Jhin Morgana, on a du coup une combinaison Lee Sin Jhin Morgana qui peut faire beaucoup de roam dans la game et enchaîner tourelle après tourelle et prendre l'ascendant dans la game. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez le like, vous partagez, vous en parlez à vos potes, vous mettez des commentaires, vous faites ce que vous voulez, mais vous pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tchou!